vais tout savoir, oh. Et de tout, la bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. L'enfant qui veut tout savoir, oh. Et de tout, la bouche qui reste pas tranquille vient d'arriver. Tonton, y'a déjà mangé quoi, oh? Tu as dormi où? Tant qu'il trompe, tant qu'il. Papa, tu vas plus à l'école. Tu fais quoi avec maîtresse? Quand tu parles pas français, oh, tu fais quoi en France? On a dit de ne pas en parler. Oh, il faut qu'on en parle. Sinon, nous, on fait pas là. Francky Lagova, Dédou Bidou. Tu vas! Toutes les questions, oh. C'est-à-dire la radio-télévision ivoirienne, rapport RTI et les leaders politiques. Moi, au bout de faire, ça ne m'intéresse même pas. Parce que ça, là, je sais que c'est des jeux, tout le monde fait. Moi, vraiment, ça ne me dit rien, quoi. Vraiment, qu'on ne m'amène pas avec ça. Mais les rapports entre la RTI, la radio-télévision ivoirienne et la culture, là, ça m'intéresse. Parce que là, c'est mon domaine, c'est un milieu dans lequel je vis. Je suis obligé d'en parler. En tant qu'artiste, moi, au bout de fait, je suis artiste comédien. Donc, il faudrait que j'en parle aussi sur ivoiretv.net pour que chacun comprenne quel est l'apport de la RTI au niveau de la culture en Côte d'Ivoire, ivoirienne. Regardez un peu. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la RTI, je ne sais pas, qu'est-ce que fait le ministre de la Culture en collaboration avec son collègue de la communication pour que l'outil de l'État qui est la RTI puisse faire la promotion de la culture ivoirienne. Parce qu'un pays sans culture est un pays sans âme. Est un pays sans âme. Donc la Côte d'Ivoire ne doit exister que d'abord par la culture, ensuite, voilà, après. Mais non. Dans d'autres pays, les radios, les télévisions concourent aux créations. Mais ici en Côte d'Ivoire, si tu veux que ton œuvre soit diffusée à la RTI, il faut que tu payes. Il faut que tu payes. Aujourd'hui, pour avoir une tranche de 26 minutes au niveau de la RTI, il faut payer 800 000. 800 000. C'est-à-dire, s'il doit diffuser un téléfilm, il faut que je paye 800 000. S'il doit passer 4 fois dans le mois, ça me revient à 3 millions 200. C'est-à-dire, non seulement je vais payer de l'argent, financer de l'argent pour monter ce téléfilm, encore je dois payer pour encore sa diffusion. Quand c'est comme ça, mais dis-moi, l'acteur ivoirien, le créateur ivoirien, il est essoufflé, il est fatigué, il est obligé d'attendre et de regarder. Je ne dis pas comme pour des responsables à être, ils constatent, mais c'est à eux de faire des propositions. Et puis le ministre de la Culture, à lui de faire des propositions à son collègue, pour dire, attentionner, la culture en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Nous faisons des créations, on ne peut pas les diffuser. Qui va les diffuser? Demandez pourquoi est-ce que ma famille a été arrêtée. Pourquoi la diffusion de ma famille, de la jeune dame Delta, a été arrêtée à la RTI. Mais c'est parce qu'à un moment donné, elle n'arrivait pas, elle n'a pas eu l'argent pour payer les 800 000 francs qu'elle doit payer pour l'espace qu'on lui donne. Elle a arrêté. Aujourd'hui, ça fait que nous sommes envahis par plein de téléfilms. Ça dit ici, c'est pas mexicain, c'est quoi là encore, c'est indien, c'est brésilien, voilà le téléfilm que nous regardons ici tous les jours à partir de 19h. Alors que nous avons des créations ici, hein. Je ne suis pas là pour dire que je veux une Côte d'Ivoire renfermée. Avec l'effet de la mondialisation, je n'ai pas fermé la Côte d'Ivoire à d'autres cultures. En permettant à d'autres films de passer chez moi, je pourrais voir comment est-ce qu'ils font leurs réalisations et leurs jeux. Ça peut aussi m'inspirer. Mais j'aimerais aussi qu'on encourage les créations ivoiriennes. Moi, par exemple, qui vous parle, je suis un exemple. Je prépare les gens de quelqu'un. J'ai créé un téléfilm, Rouge et Noir. Rouge et Noir, est sur la première chaîne, on a fait 3 diffusions. Ils l'ont retiré. Et après, 5 ans après, on a commencé à diffuser ça sur la deuxième chaîne. J'ai fait un autre téléfilm, Scandale dans la famille. Scandale de la famille, ce n'est pas diffusé. Les négociations, aller-retour à la RTI, et puis les sommes qu'il faut payer pour la diffusion, comme je ne peux pas, on a bien de laisser tomber, chercher à faire ça en CD pour vendre ça dans les marchés en Europe, là-bas, celui qui est dépassé, qui s'en paye son pain, s'il voit un DVD qui est là, Scandale de la famille, oui, de fait, il prend, il va à la maison. Aujourd'hui, nous apprêtons. Aujourd'hui, ça fait que pour créer, tu crées.
tu crées. Vous trouvez normal de prendre un Ivoirien, aujourd'hui, la plupart des jeunes gens qui ont des créations, ils se lèvent, ils vont dans d'autres pays, dans d'autres télévisions, pour négocier leur diffusion. Un jour, j'ai croisé au Burkina un jeune créateur ivoirien qui est parti proposer son film. Je suis étonné. Ah, il donne dos à la Côte d'Ivoire, qui est son pays, il donne dos à sa télévision pour aller dans l'autre télévision pour demander qu'on diffuse son téléfilm. C'est les conditions néfastes d'ici qui font qu'on ne peut pas faire des créations artistiques pour les diffuser. Par la diffusion, ne nous incombe pas. Nous avons un seul avantage, c'est que nous sommes des créateurs. Ce que nous pouvons faire, c'est de créer. Maintenant, quand la diffusion, mais que la RTI diffuse, mais le ministre de la Culture, qu'est-ce qu'il fait au juste? Quel est son rôle? Ce n'est pas un ministère où on dit que oui, il doit nous payer. On n'a pas besoin de ça, il ne nous paye même pas. Pour dire que oui, j'ai des plans avec les artistes, je dois les payer dans le mois. Non, il n'a pas un problème avec nous. Maintenant, lui, quand on le nomme là, quel est son programme? Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu ne verras jamais combien d'artistes tu vas voir dans son bureau là-bas. Il peut faire 2 mois, il ne peut pas avoir un artiste. Moi, il peut faire un artiste, j'ai jamais vu même un ministre de la Culture. Mais je pense que c'est tellement facile pour lui de prendre ce dossier à la main, aller attraper son collègue du ministère de la Communication pour leur dire, j'aurais souhaité que au niveau de diffusion de la RTI, que les créations ivoiriennes soient comme ça, soit à 60%, 70%, et puis on met les créations étrangères à 30%, parce que pas refermer le marché culturel ivoirien. Faut pas fermer ce marché. Il faut l'ouvrir, mais permettre aussi à ceux qui sont sur le terrain de sortir. La dernière fois, on a vu ici, ils se sont levés, ils ont dit, on fait venir un jeune artiste là qui fait du cinéma, on dit, Vadei. Moi, comme je ne regardais jamais ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est. On dit Vadei, je ne sais pas. Un jour, j'ai vu à la télévision, il y a un jeune qui s'arrête comme ça, il s'habille, il met un point sur son front, il dit, il est Vadei. Je dis, mais c'est qui ça? On dit, non, c'est un enfant qui a été imité, Vadei. Que Vadei vient en Côte d'Ivoire. C'est Vadei, ils ont envoyé. Elle a été bien reçue la réponse. Hein. Alors, très bien reçue. Et c'était des spectacles prévus qui étaient là organisés. Les gens payaient 10 000, pas pour jouer, parce qu'ils ne peuvent pas jouer, pas pour jouer. Mais simplement, la regarder et puis faire une photo. Une photo coûte 10 000 avec Vadei. Mais des milliers de personnes ont payé des tickets à Abidjan, à Yamoussoukro et à San Pedro. Pour des raisons qu'on ignore, on ne sait pas, il y a eu quoi. Matin, il me réveille, Vadei est retourné. Sans jouer à Yamoussoukro, sans jouer à San Pedro. Mais il y a quoi encore? On ne nous dit rien de tout ça. Elle est partie sans savoir pourquoi est-ce qu'elle est partie. Je ne sais même pas. Regardez dans la détresse des Ivoiriens, dans les problèmes qu'ils ont déjà encore, nous, la culture encore, on vient de renvoyer encore des fausses promesses. Comme on aime trop parler, dire des choses qui ne se réalisent pas, même au niveau de la culture, on est en train de revenir encore dans ce domaine-là. C'est une affaire de vadille. Regardez des coloris comme ça. Alors que nous avons ici des grandes compétences, je vous dis, les meilleurs artistes ici au niveau de la Côte d'Ivoire ont les meilleurs artistes, comédiens et musiciens au niveau de la sous-région. Tu vas dans la télévision de la sous-région, tu vas constater que c'est uniquement la musique ivoirienne qu'on joue. Mais quand tu viens en Côte d'Ivoire, on repousse la musique ivoirienne. Est-ce qu'une affaire de pécule ou bien lui qui quitte au Dieu, qui vient, il est donc tellement de l'argent qu'il préfère ne même pas faire la promotion de la culture ivoirienne? Mais c'est dangereux. Et puis c'est pas réfléchi. Et c'est dangereux ça. C'est dangereux. C'est pour ça que j'interpelle un peu le ministre de la Culture pour lui dire, on t'a mis ministre, on a mis un budget dans ta main. On ne te demande pas de nous donner de l'argent. Tant qu'artiste, nous n'avons pas besoin de ton argent. On ne demande pas aussi de faire quelque chose. On demande simplement de créer les conditions de l'épanouissement de la vie artistique. Et c'est même vous qui vous asseyez chez eux pour dire que oui, il est les artistes, mais quand il t'aime, il est malade, il ne peut pas se soigner, il a mal géré sa carrière. Mais attends, dis-moi, nous sommes des pratiquants. Vous venez des administrateurs. Le peuple ivoirien vous paye pour nous encadrer. Quelles conditions vous avez créées pour notre encadrement, afin que notre carrière soit préservée et l'activité que nous connaissons puisse être préservée et être florissante et être économique et nous rendre service financièrement. Rien du tout. Sinon, ça n'écoute rien. Un ministre se lever matin à côté de son collègue de la communication, parler avec lui sur les programmations de diffusion des créations ivoiriennes. Sur même la création, participer à la diffusion et puis même... Et c'est vrai. Et puis, mais diminuer même les systèmes de quotas, de prix des midi premiers, des spots publicitaires.
Toi, le ministre de la Culture, tu peux bien le faire. Tu as voiture de service, on met carburant dedans, on met tout dedans. Tu ne payes rien, on te donne l'argent. Le mois fini, on te donne 3 millions de francs par mois. C'est 3 millions, c'est ce que Babou a dit. Babou dit que vous avez 3 millions. C'est ce que moi, je connais. On dit que vous avez 3 millions. Tu as 3 millions de francs, tu as voiture, tout ça là. Il ne faut rien faire. Quitte le plateau, va à Cocody, ou alors quitte le plateau, là, tout là. Prends voiture, va dans l'autre tour, dis à ton collègue, voilà ce qu'on doit faire pour la culture. Si la culture se met aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si la RTI ne diffuse pas, vous en êtes responsable. Vous, le ministre de la Culture, qui n'avez aucune idée, ne savez pas ce que vous faites de la culture, vous venez comme ça, mais ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas votre faute. Vous avez été parachuté par des partis politiques. Ok, j'ai compris. Je vous ai compris alors. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.